Toujours en bref, Miguel Duquesnay restera en prison. Le cousin de Luigi Duquesnay, dont la mort en juillet 2010 est à l'origine des émeutes de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, s'est vu refuser sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction à Blois l'avait pourtant autorisé la semaine dernière, mais le parquet avait fait appel et le premier président de la cour d'appel d'Orléans a donc suivi l'avis du parquet. Miguel Duquesnay, qui comparaîtra à nouveau demain dans le cadre d'un débat contradictoire durant lequel sera à nouveau étudié sa demande de remise en liberté.